Défaite 2-1 ici à domicile, il y a eu une belle réaction à la fin du match. En tout cas, en première mi-temps, vous avez vu bien défendre face à une équipe qui poussait beaucoup quand même. Est-ce que c'était le mot d'ordre du jour, peut-être être solide défensivement ? Pas forcément. Alors solide de toute façon tous les matchs, mais on savait clairement qu'ils allaient descendre 6, 7 ou je sais pas combien de joueurs de la première équipe. Il y a un niveau trop de différence en fait, parce qu'ils s'entraînent 5, 6 fois, je sais même pas combien de fois ils s'entraînent. Mais c'est trop de différence par rapport à une équipe de 3ème ligue. Donc clairement qu'il fallait rester en place. Oui, c'était le mot d'ordre de rester en place, mais de jouer nos coups. Je pense qu'on a fait quand même une bonne première mi-temps. Pas leur seule action, parce que je crois qu'ils en ont eu deux. La deuxième action, ils marquent leur but. C'est un peu rageux, ou je sais pas comment on dit, mais parce qu'on voulait tenir la première mi-temps comme ça et deuxième mi-temps, on va apporter autre chose. Je pense qu'on a bien réagi en deuxième, même à 10. Mais voilà, toujours frustré de ces équipes. Je peux comprendre qu'on descende de deuxième ligue à troisième ligue. Des joueurs, c'est normal, mais d'une première ligue à une troisième ligue, la CGF, je pense qu'elle doit faire quelque chose là, parce que c'est trop de différence. Et néanmoins, il y a cette réaction. À la fin, vous avez poussé en deuxième mi-temps. Après le 2-0, il y a du positif quand même à retenir de cette rencontre. Oui, on a une bonne équipe, on a un bon groupe, on a su réagir parce que c'est simplement on perdait 2-0, donc il fallait aller chercher au moins un but, voire le deuxième. On a obtenu le but, mais un peu à la fin. Belle réaction d'équipe, même à 10, hein, je répète, à 10, on a quand même fait des belles choses. On a fait un bon match. Après, voilà, je pense que pas forcément le talent de l'équipe, mais plus le talent individuel du joueur qui s'entraîne tous les jours en première ligue fait la différence clairement aujourd'hui. Puis c'est comme ça. Et puis j'espère qu'ils vont faire pareil pour les prochains, parce que sinon ça déséquilibre un peu le championnat, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bravo à vous. Et puis nous, on continue le chemin.